Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de ma carte numéro 5 sur Age of Empires 2 HD édition. Le troisième ou quatrième? Quatrième, je crois. Quatrième, donc la dernière fois je vous avais laissé ça ramer à mort, on avait fini la merveille, donc du coup le compteur était enclenché. Alors, ça continue de ramer même si j'ai laissé, genre, en fait, ça fait un jour que j'ai pas tourné. En fait, je pense parce qu'il y a trop d'unités sur la carte. Et même mon PC, même s'il a un bon processeur dernière génération, il a pas l'air de tenir le rythme. Je pense qu'il y a trop d'unités parce que moi, j'en ai quoi? J'en ai une centaine. Mais les unités, j'ai mis le maximum à 500. Donc, c'est... Enfin, pour les ennemis, je suppose qu'ils ont aussi 500 unités. Surtout vu les scores, il y a moyen. Parce qu'ils ont quand même... Pour le vert... ils en ont 10 000 de plus, et pour le rouge ils en ont 15 000 de plus au niveau du score, donc il y a moyen qu'ils aient largement plus d'unités que moi. Voilà, donc c'est pour ça que ça rame, c'est à dire que le CPU, le processeur lâche, je le comprends. Du coup j'ai accéléré au maximum la vitesse du jeu, hein, et je prie, parce que là c'est pas jouable, c'est tout simplement pas jouable, et je prie pour que durant le compteur je ne fasse pas attaquer. Donc c'est surtout ça. Voilà, donc tout ce que je vais faire, en fait, comme ça va durer un petit bout de temps, surtout vu la vitesse à laquelle le compteur passe, tout ce que je vais faire, bah, c'est laisser le jeu tourner. Oula. Oh mon dieu. J'avais quand même appuyé il y a très longtemps sur ce bouton. Ah là, ça y est, j'ai accéléré la vitesse. Oh, c'est un truc de fou, quoi. Tiens, c'est marrant, on dirait que c'est plus fluide. Ça s'est fluidifié. Je sais pas. Il y a eu un passage à vide. Bon bah finalement non, je vais pas laisser le jeu tourner tout seul. Bon, on va essayer de récupérer cette relique. Enfin. Alors toi, d'ailleurs, tu vas aller ici. On va essayer de te faire passer par le haut. J'aime bien, c'est mon bateau de transport qui lui, il tient toujours la route. Pépère, tranquille. Je vais envoyer des unités. Bah là. Vous étiez de l'or, bah, vous allez me chercher de l'or. Vous, il y avait de la pierre, bah, vous allez me chercher de la pierre. Hein. Bon, on va récolter des ressources, hein, parce que de toute façon, on a un peu que ça à faire. J'ai pas des constructeurs. Si, j'ai un constructeur. Et des trucs qu'on n'a pas fini. Genre, si, l'atelier de cavalerie, c'est bon. L'atelier de siège. C'est quel niveau? Voilà. Vas-y, c'est ce niveau-là. Un petit peu difficulté d'apprécier les distances. Bon, bah, on va faire des upgrades. On va faire des améliorations, parce qu'on a que ça à faire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux faire? On va faire ça, hein. Tiens, ça se remet à laguer, on dirait. Je sais pas, c'est... L'ordinateur en face doit faire des trucs... un petit peu compliqué à certains moments, du coup ça lag. Alors, toi t'es là. Alors déjà que tu vas pas vite normalement, mais si en plus le jeu il lag. Alors tu vas me la choper. Voilà, et tu pries pour que tu te fasses pas tuer. Alors toi t'es là, tranquille, pépère. On va te faire avancer doucement. Voilà. Champion. Donc vous vous êtes amélioré. Bon, bah, améliorez-vous aussi. Hein. Est-ce que ça tire bien? Non, on va peut-être pas améliorer ça. Ça sert à pas grand chose. Ah si, je l'ai mal calé. Alors c'est pas la même taille, je crois pas. Tiens, si je refaisais un marché. Ah si, j'en ai déjà. Suis-je bête? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, un château. Oh mais ils sont jolis leurs châteaux en plus. Ils sont jolis.
Alors, améliorer les armures. Bah tiens, on va améliorer les châteaux aussi. Ça aussi, augmente la ligne de mire de 4 points. Oh mon Dieu! Alors ça par contre ça m'inquiète vraiment. Oh putain de merde. Non, là c'est ça, ça va être juste. Oh putain. Attendez. Hop, on va virer ça, de toute façon ça sert à rien. Faut qu'on protège ça. Ça c'est 100%. Il y en a un qui est passé quoi. Il y en a un qui est passé. Oh la vache. Ça m'inquiète vraiment. Toi, on va te faire aller ici. Ton collègue, il va aller me chercher celui-là. Putain, ça m'emmerde. Là, c'est hyper inquiétant quand même. Je trouve ça vachement inquiétant parce que du coup, ça veut dire qu'il passe. Et c'est possible qu'il vienne m'emmerder. Bon bah du coup raison de plus pour améliorer mes unités hein. J'ai 4 reliques quand même. J'ai 4 reliques, faut que je tienne encore 2 siècles presque. Oh là là. Peut-être un peu moins de personnes au bois. Je vais mettre un peu plus de monde à la nourriture. Hop. Alors toi tu te fais chier. Tu peux juste surtout pas bouger quoi. D'accord. N'y a pas d'autre? Ouais, d'accord. Bon alors, relique ramassée. On va te faire revenir par ici. Faire l'échange, il faut que j'aille chercher celle-là maintenant. Pas la porte à côté. Ouais. Si je faisais des scorpions, parce que du coup les scorpions ça peut facilement me sauver la mise, surtout si j'en ai plein. Et là je peux en faire plein avec toutes les ressources que j'ai. Ok, château construit. Faut que j'améliore mes châteaux d'ailleurs. Université, c'est bon pour ça. Renforce les châteaux. 400 nourriture, 400 bois. Allez, c'est parti. On va faire un château à chaque côté. Et on va faire une grosse muraille tout autour. On va faire ci à deux bras. Tiens, ça permettra de faire ça plus vite. Sinon, j'ai largement assez de ressources. En or notamment. On va te faire descendre. J'ai pas chronométré l'épisode. Bon, c'est pas grave, il fera peut-être un peu plus de 20 minutes. En tout cas, je vais aller jusqu'à la fin. On n'est pas très loin. On est franchement pas loin, c'est pas très intéressant d'arrêter tout de suite. Alors, les unités aux casernes, ça peut être pas mal, construction, ça augmente la vitesse de production des unités, à la plupart des secteurs. Bon, j'ai beaucoup de bois. Et merde. Quelle bande de padoués quand même. Pas moyen d'augmenter leur PV. Ça c'est pas mal. Ouais. 50% de points de vie en plus. On va faire pareil pour les
pour les unités des villageois. Alors les arbalétriers génois, ça c'est nouvelles unités pour les Italiens. On peut faire des arbalétriers génois d'élite. Les unités de commerce coûtent moins 50%. On s'en fout. 30 000 or pour l'espionnage, sachant que le coût s'élève à 200 points d'or par villageois ennemi. Ouais. Ça veut dire quand même. C'est 30 000 ou c'est 300 000? C'est 30 000. Ça veut dire quand même beaucoup. Ça veut dire 150. Ah non, ça veut dire 15. C'est bizarre. Oula. La goût. La goût, la gouille. Ok, je suis juste mal calé. Juste un peu mal calé. On va l'entourer de château. Ça ira bien. Alors. Ouais, ouais, ouais. Oh. Ça, ça fait du bien. Voir tout ça. Améliorer ça. Il reste toi. Allez hop. Tu vas me l'arranger cette relique. Là ça avance. Ok, tu risques d'aller un petit peu loin. Je sais ce qu'on va faire. Hop, tu vas m'en faire ici. Vous allez l'aider. Ton côté, toi tu vas en faire un là-haut. Et là, de toute façon, il n'y a plus de bois de ce côté. On va faire des arbalétriers génois d'élite. Hein. Hop, vous allez faire là-bas. Là, je vire ce camp de bûcherons. Pas trop comment le détruire. On a que je fasse un trébuchet. On peut en faire un trébuchet. 200 bois, 200 or. Ouais. Voilà. On va améliorer tout ça. Condottiere. Hey, ça c'est pas mal ça. Infanterie rapide. Bonus d'attaque contre les unités à poudre à canon. Ouais, c'est des nouvelles unités. Sympathique. On va faire 5 de chaque. Voilà, file de production pleine. Alors, mon petit... alors, pour t'assembler... Un trébuchet. Les arbalétriers de génois en plus... Allez hop. Ouh, j'ai plus de nourriture. Alors, attaque la position. Tu vas attaquer ça. Ouais. Te loupe pas non plus. J'ai dit te loupe pas. D'accord, il semblerait que je ne puisse pas détruire les bâtiments une fois construits. Merde. Ah bah ouais. Bon, on va être réassemblé. Hein. Je t'aille me casser ça. Ça me sera plus pratique. On va améliorer ça. Là. Mur fortifié, meurtrière. Ouais. Nourriture insuffisante. What? Pas assez de nourriture. Tu te fiches de moi là. Avec tout le monde à la bouffe là. Alors allez. Bon, j'ai 5 reliques, je pense que ça devrait aller. Hein. Ils sont combien? Finalement, je suis en train de rattraper un peu mon retard. Ah, il l'avait anticipé, le salaud. Je suis en train de rattraper un peu mon retard au niveau des scores, mais par contre, j'ose pas imaginer où ils en sont, avec des scores pareils.
Hop. Il reste 48 ans, un demi-siècle. On est arrivé. À faire des arbalétriers génois d'élite. Petite dizaine. Wow! Qu'est-ce que tu fous là? Bon, ça devrait pas trop m'atteindre, mais quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, déjà, tu as réparé ça. Et oh. Je sais pas ce qu'il fout, il cherche la merde. Alors, de la pierre pour vous. Et vous de l'or. Alors de la pierre, bah il y en a là. Non, il y en a là. Hop, vous avez qu'à migrer tous ensemble. Hop, je vais en prendre 4. Qu'est-ce qu'il fout là lui quoi? C'est-à-dire qu'ils ont fait un navire de transport mais ils sont pas foutus. Oula. Ça rame. Pourquoi ça rame maintenant? D'accord. On va s'en aller, de toute façon ceux-là. C'est un peu foutu. À ce niveau-là. Toi je suppose que t'es trop loin. Oh la rame quoi. Oh mon dieu. Ça rame à mort. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça lui fait pas du bien. Bon bah on va attendre, il reste que 21 ans. Faut accélérer le temps, hein. Espérons que ça fonctionne. Bon, la prochaine fois, je mettrai pas la limite à 500, hein, je pense. Hein. On va regarder à combien ils en sont, mais... 19 ans. Allez, on y arrive. Je sais pas combien fait l'épisode. Hein. C'est possible que ce soit plus long que d'habitude. Ça me prendra juste plus de temps d'upload. Bon, ça, c'est mon problème. Hein. Allez, 18 ans. On y est presque. On y est presque. Je peux pas me réparer là. Oh là là. Tellement long. Seize ans. On arrive au bout, mais... Cette tête-là, les arbalétriers génois. Oula! Ça y est, on commence à être... un petit peu libéré de... ce problème. Ils sont forts contre quoi, les arbalétriers génois? D'accord, c'est pas indiqué. C'est bizarre. On va essayer de les mettre tous ensemble. Oh, ça y est, j'ai gagné. Non, je voulais voir la carte. C'est pas grave. Bon. Donc ça y est, j'ai gagné. Bon bah militaire 223. Bon, la rig premier 2079. Oh, ils avaient pas de militaire les verts. J'aurais pu y aller en fait. Économie. Ok. Je fais bien défoncer. Technologique. Ouais, ça va, j'étais pas trop loin. Société. Je sais pas ce que c'est les sociétés.
20% du coût des châteaux et merveilles construits par chacun des joueurs. D'accord, ils avaient juste énormément de châteaux en fait. Score total. D'accord. Ok. Statistiques militaires. J'ai beaucoup perdu d'unité. Et je suis pas le plus. Ah, pas loin quand même. Donc, lui, il a tué énormément d'unités. Il a rasé énormément de bâtiments. 406. Je comprends pourquoi ça ramait. Économie. Oh, oh putain. D'accord, ouais, je comprends mieux. 50, bah il avait tout le bois du hamburger, quoi, je pense. Hein. Pierre accumulée. C'est lui qui avait le plus de pierres, forcément il y a plus de châteaux. Or accumulé, il avait plus d'or, mais je sais pas pourquoi. Profit de commerce. Ok. Tribu versée, perçue. Parce qu'elles ont fait pas mal d'échanges. Statistiques technologiques. Bon, je suis le premier à passer l'âge féodal, mais ça m'a pas réussi, quoi. Ça m'a pas réussi du tout. Lui, il a exploré beaucoup de la carte. Je comprends, en fait, il n'y avait pas une seule unité militaire. Je comprends pourquoi il m'attaquait pas. Statistiques sociétales. Une merveille. 10 châteaux. 5 reliques capturées, sachant qu'il m'en manquait une. Donc en fait, il y en avait 7, je pense, au moins. 5000 d'or en reliques. 101 villageois. Ah ouais. J'avais 80 environ. Bah non, à la fin, j'en avais presque 100. J'avais presque 100. Bon, bah, si on fait le calcul, j'avais autant de villageois. J'avais autant d'unités totales que lui en villageois. Je comprends pourquoi ça ramait. Hein? Oh la vache. Ils avaient atteint le maximum, quoi. Bon, bah, gagné, mais ça a été un peu galère. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette petite série, cette carte. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Abonnez-vous à ma chaîne, etc., etc. Et puis à la prochaine.